on se verra, il y a Nice Paris et on va gagner. Alors là, on est au stade de l'OGC Nice et il y a un match Nice Paris. Nice PSG. Nice PSG. Allez Nice. Allez Paris. Vous l'avez déjà vu, vous, non, une fois? Oui, ah, je m'étais trop. À France-Gibraltar. Gibraltar. Non. L'important ce soir, c'est prendre 3 points et la Coupe d'Europe, bien entendu. On la veut à la maison, hein. Et on ira loin. Les buteurs. A few moments later. Je sais pas, vas-y, donne-moi des noms, donne-moi des noms. Ojibo. Alors, moi, j'aurais dit Ojibo. Et Dante. Et Dante. C'est consternant. Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa. Merci. Ryan. Maillot carrément. Ryan. C'est bien pour la fin. La meilleure. La meilleure. Merci beaucoup. Merci. Ce projet est très important pour nous et cette collaboration avec l'OGC Nice est vraiment un point important de notre comité. Depuis que le projet existe, on avance d'année en année. Ils attendent à chaque fois, chaque séance avec impatience et on le voit là sur le bord du terrain, il y a des étoiles dans les yeux et ça c'est des formidables souvenirs qui vont se créer. De super beaux parrains, notamment avec Teddy qui était à l'origine du projet, qui a fait la première séance de Toi plus moi sport avec l'OGC Nice. Donc c'est encore vache, encore plus intéressant. Beaucoup d'émotions. C'est très content d'être là. Comme j'ai dit, j'ai pas pu dire au revoir comme il fallait quand je suis parti à la fin. Donc très content de pouvoir revenir ce soir et d'être honoré. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, l'OGC Nice, ça fait partie de ma vie, pas de ma carrière, de ma vie. J'ai tout vécu, la naissance de mes filles, ma blessure au genou, mes meilleurs moments. C'est partie de ma vie aujourd'hui, donc on peut dire qu'aujourd'hui je suis officiellement partie de la famille OGC Nice. Mon premier but à l'Alliance, c'est mon premier but après la blessure du genou contre Saint-Etienne. Le coup froid avec Ruffier, il rentre dans la cage, c'est pas mal. Là tu pourras garder pour le Zabji. Allez, un petit mot pour nos supporters. Ça fait plaisir de revenir vous voir, j'ai pas pu vous dire au revoir comme il fallait. Alors du coup merci pour l'accueil et Issa Nissa. C'est la dernière. Ouais, émotion. J'ai vu ma femme et mes enfants là tout à l'heure. Le trophée, enfin, waouh, ça a été chargé en émotion. Ouais. Ils m'ont roulé dans la farine, bravo. Autant du côté chez moi qu'au côté OGC Nice. Ils m'ont tous raconté des blagues. Vraiment, je m'y attendais pas. Que des belles choses, je me suis régalé. Ça a toujours été un bonheur, une fierté, un honneur de porter le micro de l'OGC Nice, le club. J'ai toujours vécu pour ce club, quoi. Donc c'est un moment, ça a été des moments tellement importants, tellement magnifiques. J'ai vécu une finale de Coupe de France, le tour première de Champions League, la Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe de la Ligue. J'ai tout vu. Je me suis régalé. Franchement, ça a été que du bonheur. Maintenant, tu laisses la place à Christophe. Bah bien sûr, et il va relever le défi. Ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est un bon gars, c'est un super pro. Il va vous régaler, c'est sûr et certain. À l'époque, j'avais, je sais pas, un fluide qui faisait que je prédisais les scores des matchs et qui marquait les buts. Et là, bah, je nous prédis un bon avenir en Coupe d'Europe. Ça a été un honneur, ça a été une fierté, ça a été une grosse responsabilité. Merci à l'OGC Nice pour cette confiance. J'oublierai jamais vos cris, vos sourires. Merci à tous. Et Issa Nissa ! Damien Reich qui va quitter l'OGC Nice, hein, le chef de presse. Oui. Avec qui on avait beaucoup de plaisir à travailler. Et qui part pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur.
Allez messieurs, les Aiglons ont 4 entrées sur le terrain, il y a tout le monde derrière vous. Allez, amenez-nous vers les étoiles messieurs, bon match à tous, et ça n'est ça. Donc continuer à vous aider et nous allons maintenant attaquer le cas de Jean. Donc Jean, on sait qu'il vient de Nice. Jean est un illustre personnage dans le monde du football car il a joué, il a entraîné. Si vous continuez à aller voir les matchs de Nice ? Oui, eh bien. Je suis régulièrement puisque je fais partie des anciens de l'OGC Nice. Oui. Et le trophée que vous avez vu dernièrement. Alors, il y a une photo qu'on va vous mettre sur le Facebook, la page, voilà, ça peut vous arriver. Bien. On voit notre Jean tenir. Donc, qu'est-ce que c'est ce trophée ? C'est le trophée des anciens de l'OGC Nice. Voilà, c'est le trophée des anciens de l'OGC Nice. À chaque match, enlevé le rideau, tous les joueurs ou les entraîneurs qui ont marqué le club sont invités. C'est super. Super. Ça va ? Ouais, tu vas bien ? Ça va ? Ça va ? Mimoun, comment ça ? Bene ? Ça va ? Mimoun, ça va ? Et toi ? Dernier déplacement de l'année ? Eh oui, hein. Allez. Ils utilisent les barres pour faire des exercices de force très acrobatiques. Ah là, super ! Super Seb. Devant des voyageurs médusés. Leur plaisir, faire le spectacle. Attendez, restez comme ça et regardez vers le bas. Thank you.
le foyer de l'enfance à Nice. Là, on a des jeunes mineurs qui sont placés. Il y en a, ils n'ont jamais voyagé. Il y en a, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Vu qu'ils sont dans des situations compliquées, ça fait aussi qu'ils changent un peu de l'atmosphère. On est venu grâce à Sofiane Diop. Il nous a payé le trajet et l'hôtel. Du coup, il nous a invités ici pour voir le dernier match de Nice. Et nous sommes là pour supporter Nice. Ça va les enfants ? Oui. Et encore merci pour le voyage. Merci. On t'a fait une petite affiche aussi, nous. Ouais, une deuxième affiche. T'inquiète. Tiens, on va prendre une photo. Bah, vous me la ramènerez, hein. Pas de soucis. Pas de soucis. En fait, ça, c'était moi et une fille, là. Et on l'a fait le soir. Gros bisous à vous. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. C'est très touchant ce qu'on a vu ce soir. Quand on voit les Lillois qui chantent le chant des Niçois et cette ambiance entre deux clubs et leurs supporters, c'est assez beau et je trouve que ce soir on a une très belle soirée de football, sur tous les plans, y compris nos supporters. Et aussi, je les félicite et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux pour nous soutenir l'année prochaine et notamment en Coupe d'Europe. Il faut rester dans le jeu, pas hors jeu, putain. Incroyable. Heureusement on a les vacances parce que sinon j'aurais pété les ischios cette semaine. Je vous félicite parce que vous avez une superbe saison. On a eu des fois des événements contraires, des périodes un peu difficiles. Mais franchement ce que vous faites ce soir, je pense que vous avez fait plaisir à tout le monde. J'espère que vous avez fait plaisir sur le terrain et vous nous avez fait vraiment plaisir. I think, especially for tonight, to come here with this attitude, it's saying a lot of things. So congratulations, really, for everybody from the bottom of the heart. Congratulations for the staff and merci, because the season has been long with many moments. And again, if we are here to celebrate something, it's because of the work of everybody. So one more time, the biggest clapping for the hands is for you. Tu passes l'anonymat total à la lumière qui brûle tout sur son passage. Bienvenue à la Star Academy. Thank you.
Ça va ? Alors ? On n'attend pas Patrick ? Donner cette petite statuette, c'est pas grand-chose, c'est pas de l'or massif, mais ça représente beaucoup. Ça représente tous les efforts que vous avez fait dans la saison. Toutes les frustrations, toutes les joies, les déceptions, tout ça est là-dedans. Au nom de l'OGC Nice, merci beaucoup pour la saison et pour tous ces moments passés ensemble. Je vais pas revenir sur ce que Flo a dit, si ce n'est que je vous félicite déjà à tous, pas seulement les joueurs, mais évidemment tout le staff, tous ceux également qui ne sont pas là. Une saison, c'est un effort club et quand on termine dans nos objectifs, il faut savoir le souligner. Et profitez bien de vos vacances aussi. On est bien ressourcés et on se prépare pour une belle saison l'année prochaine. Merci à vous. We need everybody to arrive to the target that we have in mind. Bon joueur. Pied dur. On est fiers de vous, monsieur. Des danseurs, du coup. On est des danseurs. Je prends deux. Go. Ça fait dire. Pas que les joueurs. Staff extraordinaire. T'as vu gagner avec. Hein. Jeu. Bonne vacances, donc merci beaucoup. Bonne vacances, c'est bon. Mon gars. Bonne vacances, mon petit frère. Toi. Bonne vacances. Hey, toi. Bonne vacances. À toi aussi. Hey, je suis content de plus voir ta caméra. Merde. Marcin Bouka, OGC Nice TV. Les gars, on vient de terminer la saison. Il y a zéro regret à la fin. Je m'entraîne demain pour préparer Euro. En espérant que je vais partir avec Bologne et battre la France. Merci beaucoup. Du foot encore avec l'art du contre-pied d'un joueur de l'OGC Nice. C'est le début de l'actu des réseaux avec Thibaut Le Floch. C'est toujours triste des adieux. C'est difficile, hein. Ça va être compliqué. Hier, le club de football de l'OGC Nice publiait sur X une vidéo où son emblématique capitaine Dante, âgé de 40 ans, dit au revoir aux supporters. Cette année encore, vous avez été exceptionnel. Et c'est ensemble que nous avons décroché l'Europe. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous aime pour toujours. On se retrouve la saison prochaine à l'Alliance Riviera, tous ensemble pour faire une grande saison encore une fois. La Bayeta, je vous aime. Putain, je vais pas partir! Le spectacle continue! Ici, c'est chez moi!